Moi, ça, les amis, je dis à nous allons conclure ensemble et leçon école sabbat ce maintenant. Mais avant même que nous entrions dans l'étude là, on nous prie le Seigneur. Nous fait louange pour vous, nous bénis, exaltés, donc éternel notre Père et notre Dieu pour étude semaine. Et merci pour tout ça, vous voulez éduquer nous pendant semaine. Aidez-nous pour que nous soyons capables de bien assimiler les paroles sérieuses et arriver à appliquer dans la vie nous chaque jour. Nous n'avons pas de mérite comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Ce maintenant, nous apprenons ensemble leçon 9, l'Église et l'éducation. C'est thème ça, tout au cours de semaine, nous avons développé ensemble. Verset à mémoriser. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des humains, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres du Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous nous sommes fait tout petits au milieu de vous. Comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit, nous aurions voulu de notre tendresse pour vous. Non seulement vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous nous étiez devenus chers. Et c'est Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6 à 8. Ce maintenant, nous étions ensemble, la véritable éducation chrétienne, c'était une partie de l'étude ce maintenant, nous étions la véritable éducation chrétienne, l'état de mettre nous, pour nous placer nous plus haut, par rapport avec notre monde et manifester l'amour bon Dieu envers eux. Nous étions lundi, appelés à vivre comme des lumières, malgré la vie dans le monde ténèbres, côté ça bien, on est mal, et bien nous-mêmes nous appelons en tant que chrétiens pour que nous capables de briller, vivre en tant que disciples, nous devons partir de ça, qui a montré nous, en tant que disciples Jésus, nous devons assurer nous que tout ça que nous avons fait, que Jésus lui-même l'y placé au centre. Et nous devons ensemble, et mercredi, rechercher la vérité chrétienne, hein, nous devons toujours à la recherche, parce qu'il y a ensemble de questions difficiles qu'à poser. Mais il faut qu'on capable toujours questionner pour capable connaître qui sa parole bon Dieu a lui-même dit. Et nous devons enfin jeudi raconter notre vie à travers partie leçon ça côté apôtre Paul il t'a mis accent et bien sur ça nous relier le partage. Et bien Paul te dit comme ça et bien un meilleur moyen pour que nous capable comprendre l'évangile pour que nous capable vivre l'évangile là c'est quand nous arriver partager ensemble avec l'autre. Jeudi a pour aller plus loin, c'est thème et étude jeudi, puisque c'est conclusion, leçon, c'est des réflexions que nous allons faire. Nous, à travers le sermon que Jésus t'a présenté sous montagne là, eh bien, Jésus t'a efforcé pour être capable de renverser eh bien, toute mauvaise éducation qui t'a édifiée eh bien, par les gens qui t'a vécu dans l'époque. Ça t'a vu que les gens étaient vraiment déçus par la grandeur terrestre que eux-mêmes, eh bien, ils t'a attendu que Jésus t'a enseigné. Et Noé, Jésus t'a parlé avec auditeur lui, il y a l'autre conception, une conception qui juste concernant royaume et caractère. Noé Christ pas attaqué directement avec erreur que peuple a lui-même t'a commettre, mais quand Jésus regardait comment péché lui-même lui porter misère dans le monde là, Jésus pas seulement dressé un sombre tableau de misère, mais il était placé, Jésus t'a parlé des choses infinies, des choses qui infiniment meilleures par rapport avec ça que même était gain en termes de connaissance. Sans que Jésus pas de combattre l'idée qu'il était gagné et bien concernant le royaume bon Dieu mais nous Jésus t'a seulement montré qui ça pour capable faire pour capable entrer dans le royaume et Jésus t'a laissé avec liberté de choix pour même était capable tirer conclusion par rapport avec enseignement qu'il était gagné déjà et ça que Jésus lui-même l'a enseigné vérité que Jésus lui-même t'a enseigné dans l'occasion ça et bien il paraît important pour nous aujourd'hui à même j'étais important pour les gens qui vivent dans l'époque Jésus, ou bien les gens qui suivent Jésus, parce que je dis, même ça avec les gens dans le passé, nous avons besoin d'une compréhension qui est claire et bien, par rapport avec le royaume bon Dieu. Nous avons besoin de comprendre vraiment le royaume bon Dieu dans le sens qui est lui-même lié. Et il y a quelques petites questions pour que nous puissions méditer, quelques petites réflexions que nous avons fait. Je parle de Robert et Louis Stevenson, qui est né à Edinburgh, en Écosse, en 1850. Eh bien, Stevenson t'a raconté comment une nuit, alors que sa nourrice t'a préparé, le préparait à aller se coucher, il t'a glissé dans la fenêtre là. Pendant la regarder dans la fenêtre là, il y a un bagage qui captivait l'esprit, qui s'est levé. Il t'a eu un allumeur de réverbère, qui t'a fait aller-retour. Ok, qui t'a fait, aller-retour. Avec une joie, avec une grande joie, il t'a parlé les nourrices pour le dire comme ça. Regardez, un homme, qui a fait un tour. Non fait noir. Eh bien, question qu'on est capable de poser par rapport avec l'illustration ça. Qui rôle bon Dieu confie nous pour que nous apporter lumière et l'amour autour de nous.
Et si vous même pas sûr des rôles ça qui bon Dieu lui-même ba ou, eh bien m'encourage pour capable inviter plusieurs membres l'église kotoyea pour que nous capable chiter ensemble et discuter qui ça que nous-même nous capable de faire ensemble. Si vous pas quoi peut-être pas capable réaliser rien, hein, mais j'ai deux trois monde mettez ensemble avec eux discuter pour qui ça nous capable réaliser pour bon Dieu. Si l'église doit associer avec bon Dieu pour atteindre le monde, eh bien nous devons accueillir parole Jésus et ministère Jésus dans la vie nous. La réalité même de l'incarnation, il y a un Dieu qui vient dans le temps, qui vit dans le monde, nous, qui lutte, qui crie, qui rit ensemble avec nous, eh bien, il rappelle nous que nous-mêmes, tout, nous là pour que nous capables de prendre soin des gens qui entourent nous. Et comment on a pu faire ça? Et comment nous capables d'employer les jeunes tout, qui nous assemblent nous, pour qu'ils soient capables d'entrer dans le cadre de travail ça? Réfléchis avec la possibilité que nous gagnons en tant qu'adventistes du 7e jour. Et par rapport avec l'enseignement que nous gagnons, comment que nous sommes capables d'arriver à partager l'enseignement avec l'autre monde, même qui pas gagné enseignement ça. Et comment l'église locale là, c'est-à-dire l'église côté qui même fonctionné, eh bien, est capable, il t'a de jouer un rôle clé dans l'enseignement vérité par rapport avec l'autre monde qui pas connaît. En même temps, mais qui ça l'église a tout capable bien les sûr pour que nous capable discuter et sous vérité ça yo. Et parfois, et tout avec monde qui posait des questions qui paraissent vraiment difficiles. Et comment que nous sommes capables de créer un environnement, et bien, au sein de l'église, côté questions importantes que nous-mêmes sommes capables d'aborder. Et bien, dans la classe, côté que vous-même, vous adorez, et bien, pour le week-end ça, et bien, parler des préjugés qui gagnent, préjugés culturels qui gagnent dans la société que côté vous-même, vous vivez là, et garder pour dans quelle façon l'église, côté vous est capable d'enseigner avec l'autre monde pour yo capable dépasser ensemble des préjugés ça yo et pour yo capable suivre et bien au lieu préjugés pour suivre la parole de Dieu. En gros, c'était leçon semaine là. Il y a une leçon qui montre nous rôle que l'église même doit jouer dans l'éducation. L'idée est important, l'église joue un rôle important dans l'éducation dans le passé et aujourd'hui a bagaille pas différent et aujourd'hui elle est encore même plus important, l'église joue un rôle et très très important pour que les capables jouer dans l'éducation, société et comme ça pour que nous capables gagner une société qui est meilleure. Et bien leçon semaine là c'était leçon 9, l'église et l'éducation. Déjà je vous souhaite bonne étude et que Dieu vous bénisse.